Le groupe Les Républicains au Sénat sur ce texte assurance chômage a obtenu en commission mixte paritaire des avancées sur trois domaines. Le premier, nous avons rappelé que la gestion de l'assurance chômage, c'était le sujet des partenaires sociaux. Le gouvernement voulait les évincer, nous les avons remis au cœur du système. Le deuxième concerne les collectivités locales. Il y a des demandeurs d'emploi maintenant qui sont des anciens fonctionnaires. Il y avait un vrai sujet que nous avons traité. Et enfin, le troisième, qui nous ramène à ce qu'est l'assurance chômage, qui est un système assurantiel. Je rappelle que l'assurance chômage donne droit à l'allocation de retour à l'emploi dès lors qu'on est privé de façon involontaire d'emploi. Et nous l'avons rappelé à travers, finalement, deux articles. Un, lorsqu'on fait un CDD et qu'on refuse deux CDI, nous n'avons plus le droit à l'allocation de retour à l'emploi. Et deux, lorsqu'on est en intérim et qu'on refuse deux CDI, nous n'avons plus le droit à l'allocation de retour à l'emploi. Ce système assurantiel, il est essentiel que nous puissions rappeler ce principe-là. Et je le dis très ouvertement, le gouvernement évoque le fait que ces dispositifs sont difficiles à mettre en œuvre. Moi, je dis au gouvernement, il est de votre responsabilité de mettre en application les textes de loi. Et nous y veillerons dans le cadre du contrôle, de notre pouvoir de contrôle en tant que parlementaire.